Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ouais, je suis trop excitée là. Je suis trop contente de filmer, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je n'ai pas filmé de vidéo. Je sais pas pour vous, mais moi en ce moment c'est juste la cavale. Je cours chaque jour. Je sais pas quand est la dernière fois où je suis restée une journée en pyjama chez moi. Donc en l'occurrence le dimanche normalement. Même le dimanche, je suis pas en pyjama. Je veux mon dimanche en pyjama. Il me manque ce dimanche en pyjama. En ce moment, je cours tellement partout, je fais plein de choses. Je vais pas me plaindre, je vais pas cracher dans la soupe parce que c'est énorme ce que je vis. Mais voilà, juste pour vous dire que je cours, je n'arrête pas et du coup je fais vraiment mon mieux pour continuer de poster mes 2 vidéos par semaine en ce moment et d'être un petit peu là sur tous les réseaux sociaux. En tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que les cours se passent bien, j'espère que le boulot se passe bien. Je suis contente de vous retrouver en fait. Et on va parler de mes favoris du mois de mars et d'avril parce que comme vous l'aurez constaté je suis à la bourre pour pas changer. Quoique en ce moment franchement j'arrive à tenir, mais là ouais ok, on est juste quasiment fin avril donc je me suis dit allez on va faire mars-avril, préparez-vous hein, parce qu'il y a plein de choses. C'est parti! Sans hésitation, mon truc numéro 1 de ces 2 mois passés que je mets en première position, ça a été la Video City. La Video City! Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment c'est un événement en fait spécial youtubeur. Il y a des youtubeurs gaming, beauté, humour, il y a vraiment de tout. Vous trouvez de tout dans ce. Lors de cet événement et du coup vous rencontrez vos youtubeurs durant un week-end et moi j'y suis allée du coup l'année dernière j'étais là uniquement le dimanche parce que je pouvais pas faire autrement mais cette année j'étais là le samedi et le dimanche et du coup j'ai pu vous rencontrer et merci un milliard de fois d'être venu me faire un bisou. Je sais qu'il y en a qui venaient de Suisse, de super loin et franchement ça m'a énormément touchée, ça m'a reboostée, ça m'a fait du bien, ça m'a... Vous savez, à chaque fois, on a besoin, c'est comme une voiture, elle a besoin d'essence pour repartir. Bah, moi, c'est pareil, à chaque fois que je vous rencontre, vous me reboostez, vous gonflez mon cœur à bloc. Et je me dis, ils sont là, ils sont là, ils sont encore là, ils sont toujours là. Et à chaque fois, je me dis, ils sont encore là. Et ça fait 5 ans que je me dis, vous êtes là, et c'est juste incroyable. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci en ce début de vidéo. Merci infiniment d'être venu me voir et tous ceux qui n'ont pas pu venir. J'espère qu'on pourra se rencontrer un autre jour, il y aura d'autres meet-up, etc. Mais voilà, ça a été vraiment riche en émotions. Le dimanche soir, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit. Waouh, pour une fois, parce que je ne le fais jamais et à chaque fois je me dis il faut que je le fasse, il faut que j'aille dans un truc en supermarché imprimer mes photos de mon téléphone et tout. Cette fois-ci je l'ai fait grâce à la petite imprimante HP Sprocket, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo What's in my bag, donc non je ne vais pas vous en reparler dans cette vidéo, je vous ai déjà donné tous les détails là-dessus et apparemment vous êtes nombreux à avoir craqué dessus. En plus à la Video City j'étais au stand HP à un moment donné et vous me disiez ouais en fait c'est trop bien le mec il m'a imprimé la photo et tout et c'est franchement vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour une petite machine. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo What's in my bag, en fait c'est une petite imprimante de poche que vous connectez à votre téléphone via Bluetooth en fait et ensuite vous sélectionnez directement en fait les photos de votre téléphone que vous avez déjà retouché ou pas, les photos de si vous voulez imprimer une photo que vous avez postée sur Instagram, vous pouvez vous connecter sur vos réseaux sociaux et bim la petite photo sort par là et voilà. Donc en plus la photo elle peut être en sticker de l'autre côté, donc soit vous la laissez normale soit vous retirez la partie du dos pour pouvoir les coller comme je l'ai fait parce que là je me suis pas galéré à mettre des petits points de colle hein. Non non c'est en stickers, les photos sont en stickers et du coup j'ai pu les coller directement sur le tableau et j'ai pu me faire un petit pêle-mêle avec toutes nos photos et encore j'ai pas tout imprimé. Quand j'étais en train d'imprimer dimanche soir dans mon lit je me disais mais j'ai pris combien de photos quoi, oh my god j'ai pris combien de photos et voilà du coup j'ai enfin mes petites photos parce qu'à chaque fois, après chaque meet-up, je me dis qu'il faut que je le fasse. Mais là, c'est tellement plus pratique. J'étais dans mon lit, j'ai imprimé mes photos. Et voilà, donc je voulais mettre vraiment ce pêle-mêle en fait en priorité dans ma vidéo parce que c'était waouh. J'ai envie de vous parler de ce livre absolument génial qui est le livre Simplissime, les recettes Picard les plus faciles du monde. Alors vous savez que je suis nulle en cuisine, je n'aime pas cuisiner, je déteste ça, je suis nulle, enfin bref. Je passe, vraiment l'endroit où je passe le moins de temps c'est dans la cuisine. Je déteste ça, moi c'est micro-ondes, Picard, Picard, Picard et c'est terminé. Et du coup ma soeur m'a acheté ça. C'est un livre en fait de cuisine hyper facile à faire avec les produits Picard. C'est génial parce que moi j'ai acheté des aliments mais je savais pas forcément comment les cuisiner, les légumes et tout. Et en fait il y a un livre maintenant où il vous montre vraiment les aliments Picard qu'il vous faut
Le plat, enfin à la fin, ce que c'est censé donner, mais moi je pense pas que j'arriverai à ce résultat-là, mais bon bref, et du coup il y a la recette hyper facile, ils vous mettent les ingrédients qu'il vous faut avec, le miel, la sauce soja, et du coup vous faites, ça c'est quoi des escalopes de dinde? C'est pour faire des yakitori caramélisés au cèpe, ça a l'air super bon, et voilà en fait ils vous disent, il faut le sachet de machin chez Picard, le truc chez Picard, vous faites ça, ça, et vous avez un super plat à la maison, et je trouve ça vraiment génial si vous avez des invités, vous savez pas cuisiner. Hop, vous achetez vos petits plats surgelés Picard et vous faites vos trucs quoi. Voilà, franchement c'est génial. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas cuisiner, vous savez pas cuisiner, ce truc qui est... et que vous adorez Picard, ce truc c'est de la dinguerie. Ça vient de chez Rituals, donc vous connaissez Rituals parce que je vous en parle assez souvent. Et du coup, Rituals en fait, ils ont sorti une gamme Black Oud. C'est une collection privée, donc il y a les bougies, etc. Et il y a ça avec des petits bâtonnets. Mince, comment ça s'appelle? Je sais plus le nom exact. Punaise, depuis tout à l'heure je cherche, j'ai un trou de mémoire en fait. Comment ça s'appelle ce truc? Je sais plus. Bref, en fait, c'est en verre, hein, c'est super lourd. Vous mettez le liquide, le produit, le parfum à l'intérieur et vous mettez les petits bâtonnets de bois. Et en fait, ça va diffuser le parfum dans toute la pièce. Alors, petit conseil, au début, je l'avais mis dans mon salon, ça sentait pas grand-chose parce que mon salon est assez grand. Et maintenant, vous savez où je le laisse? Dans les toilettes. Et quand les gens rentrent dans mes toilettes, ils me disent, mais... Bordel, Sana, c'est quoi cette odeur dans tes toilettes? Ça sent le parfum, ça sent super bon et tout. Même Jen, quand elle est venue chez moi, m'a dit, oh, je le veux, moi aussi. Ça sent super bon, gros coup de cœur pour cette senteur. Et franchement, c'est un chouette produit, même à offrir, je trouve que c'est une super idée. Donc voilà, je voulais absolument vous montrer dans ses favoris. Enfin, vous savez, dans mes favoris, je vous montre tout et n'importe quoi. Vraiment, c'est la vidéo où je vous montre vraiment les choses de la vie tous les jours, les choses que j'aime et que j'ai kiffé durant le mois passé. J'avais envie de vous parler de cette... assouplissant. Oui, je vous parle d'assouplissant. Je crois que je vous avais déjà parlé des assouplissants, les normes, mais vraiment, c'est de la dinguerie. Si vous passez, si vous allez faire vos courses, n'hésitez pas à aller sentir le Lénore Parfumel Bouquet Mystère. Oh my fucking god! Ça sent super bon! Et ça sent le parfum en fait. Ça sent pas genre la soupline. Ça sent vraiment le parfum. Ça sent extrêmement bon. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur, mais quand vous allez faire vos courses, allez sentir. Et franchement, pour moi, les souplines et les assouplis... Non, les assouplissants souplines et les assouplissants Lénore sont vraiment les best of the best. Il y a aussi ce petit truc-là dont je voulais vous parler. Alors oui, je sais, c'est hyper galère de laver un beauty blender. D'ailleurs, ce serait pas mal que je vous fasse la vidéo comment je lave mon pinceau, mes beauty blenders et tout. Mais ne vous prenez pas la tête à aller acheter le petit savon de la marque Beauty Blender. Je sais même pas combien il coûte d'ailleurs, je m'en souviens plus. Vous avez celui de chez Primark en fait, qui coûte 2,50€. Ça se présente... En plus, c'est dans un petit packaging comme ça. C'est trop trop bien. Et vous avez l'espèce de savon à l'intérieur. Donc vous humidifiez sous le robinet et ensuite vous frottez votre beauty blender dessus et vous lavez et ça lave extrêmement bien. Franchement, vous prenez plus la tête. 2,50€ chez Primark, s'il vous plaît. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite grâce à ma soeur. Franchement, merci sister. Il est génial. Un autre truc dans ma catégorie d'hiver que je voulais absolument vous montrer, ce sont les écouteurs Beats que j'ai découverts au mois de mars, je crois, c'était fin mars, qui se présentent comme ceci. Donc, ils sont fournis avec la petite pochette. Ils sont aussi fournis avec divers tailles de, je sais pas comment ça s'appelle, les petits trucs en silicone là pour boucher les oreilles. Et en fait, ce sont les nouveaux casques Beats qui sont absolument géniaux. Et en fait, c'est simple. Depuis que j'ai ça, je n'utilise plus mes kits main libre, je n'utilise plus rien. J'ai mon casque Parrot aussi que j'adore, mais c'est vraiment le gros casque, voilà, qui vous bouge tout et tout. Mais vraiment, pour le truc plus simple, plus pratique pour tous les jours quand tu cours et tout, ça c'est génial en fait. Ce sont des écouteurs que vous ne branchez pas en fait au téléphone, hein. Vous le connectez par Bluetooth et ensuite vous pouvez répondre à vos appels avec. Et c'est pas génial, c'est super pratique parce que du coup, quand vous avez passé votre appel, vous le lâchez et en fait ça va venir se coller, c'est aimanté et vous gardez ça toute la journée en fait. Et du coup ma soeur c'est devenu, en fait c'est limite un accessoire, c'est un accessoire et je ne le quitte plus, c'est absolument génial. Je passe mes appels avec, j'écoute ma musique, c'est trop trop bien, c'est vraiment trop bien. Et ça se recharge avec le même câble que l'iPhone, parce que maintenant c'est Apple, tout ça tout ça, c'est le même câble que l'iPhone 6 en fait. Il charge avec, vous le chargez, vous le reprenez et si j'avais bien compris, pour 5 minutes de charge, vous avez 8 heures d'autonomie. Est-ce que vous rendez compte? Donc voilà, gros coup de cœur, très belle découverte. Je n'avais jamais testé les écouteurs Beats, mais ça, c'est devenu mon accessoire de tous les jours. J'ai plein de choses à vous présenter. Alors préparez-vous, je vous préviens. Là, j'ai plein de choses à vous montrer côté beauté. Et encore, j'ai enlevé pas mal de choses. Et je pense que je vais peut-être enlever des choses parce que la vidéo, elle va durer 1000 ans déjà, qu'on en est déjà à 10 minutes. Super,
on en est déjà à 10 minutes. Je voulais vous présenter 3 bronzers déjà parce que vous savez, je suis une fan de bronzer et notamment quand le beau temps arrive et tout, je les sens encore plus. Et là, j'ai eu 3 énormes coups de cœur pour 3 bronzers, du coup, de tranches de prix différentes. Du coup, ça pourra répondre à vous tous, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent qui ont plus ou moins de budget. On va commencer avec le bronzer Givenchy que je trouve vraiment très très bien. Il est comme ceci déjà, il est super beau. Il n'y a pas d'odeur dans les bronzers Givenchy, c'est les saisons Floral Edition. Donc je sais pas par contre si c'est une... je crois que c'est une édition limitée, je suis pas sûre. C'est la LC Glow Powder en teinte de douce saison. Il est vraiment très bien, il est pas orangé, il va réchauffer pile ce qu'il faut le teint, ça va rester naturel, c'est subtil. Voilà, avec un grand miroir, c'est juste génial, j'aime trop les packaging Givenchy, vraiment ce sont des bijoux. Et cette fois-ci, grande surface, vous avez le Maybelline, donc c'est une palette, c'est la Master Bronze qui est une nouveauté, qui est vraiment géniale. Vous avez 3 bronzers à l'intérieur, et ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que vous pouvez faire des mélanges, etc., suivant votre le ton de votre teint en fait. Et ce que j'adore par-dessus tout dans cette palette, c'est qu'il y a un highlighter à l'intérieur et ça c'est vraiment bien. Du coup vous pouvez même faire des mélanges avec l'highlighter si vous voulez un bronzer plus ou moins lumineux. Enfin bref, franchement cette palette est vraiment bien, la qualité est géniale, un excellent rapport qualité prix. Je suis partie à Palm Springs pendant 3-4 jours avec Becca, je sais plus, c'était en mars, pour découvrir justement pas mal de nouveautés et notamment leur bronzer. Donc Becca a sorti leur bronzer, ils sont super beaux, ils sont tellement faciles à estomper lorsque vous les appliquez, ils sont faciles d'application, ils sont hyper agréables, alors il y a plein de teintes en plus c'est ça qui est génial, il y a des teintes très claires, il y a des teintes très foncées, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur. Moi en ce moment j'utilise la teinte Capri Coast. Donc ça se présente comme ceci, ils sont légèrement lumineux quand même, ils sont pas totalement mat et ils donnent vraiment bonne mine en fait. J'ai notamment 2 palettes que j'ai adoré utiliser et surtout celle-ci. En fait ce sont des palettes de chez By Terry où vous pouvez faire pas mal de choses avec, bronzer, poudre, blush, etc. Donc on en a 2, il y a celle-ci. J'aime beaucoup les packaging By Terry aussi. Et on a celle-ci. Et celle-ci, c'est celle que j'ai le plus utilisée. Les couleurs sont plus neutres, plus nude. C'est la By Terry Sun Designer Palette en teinte Savannah Love. Et les teintes sont vraiment belles. Donc comme je le disais, vous pouvez faire des mélanges, l'appliquer en blush, l'appliquer en bronzer. Vous avez même une teinte qui fait highlighter juste ici. Enfin, qui fait, c'est une poudre lumineuse, c'est pas l'highlighter de ouf. Mais voilà, je les trouve vraiment très belles et j'adore quand il y a plein de teintes comme ça. Enfin, ça dépend. Parce que ce qui me gêne un peu, c'est que du coup, tu touches forcément la teinte d'à côté. Mais des fois, c'est pratique quand tu pars en voyage ou quoi que ce soit, que tu n'as pas envie d'emporter 36 000 blushs, c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment aimé ce système-là. Et toujours dans ce système de mélange, tiens, on dirait j'ai un pinceau dans la main. Ce système de mélange, il y a la Cheek Contour Duo Palette de définition des joues de chez NYX qui se présente comme ceci. Je me demande si je voulais pas déjà présenté le mois dernier dans mes favoris, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, en fait c'est une petite palette où vous avez un blush et une poudre un petit peu plus lumineuse, un genre d'highlighter, mais très... c'est même pas un highlighter, c'est vraiment une poudre. Bon, c'est bête ce que je veux dire, mais c'est vraiment une poudre lumineuse en fait, c'est pas un highlighter. C'est vraiment, si vous voulez rendre votre blush un peu plus lumineux ou quoi que ce soit, vous pouvez mélanger les deux et j'ai beaucoup aimé utiliser ces 2 derniers mois cette teinte là qui est la teinte Perfect Match Couple Parfait. C'est la CHCD03. Vraiment ça c'est top et les produits NYX ils coûtent pas cher, ils sont d'excellente qualité pareil, franchement vous pouvez foncer les yeux fermés. Ensuite un autre blush de grande surface que j'ai adoré utiliser, c'est un blush Maybelline. C'est celui-ci, je vous ai déjà parlé de ces blushs-là de chez Maybelline qui sont excellents. Franchement ils sont tellement 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 bien ces blushs. C'est la teinte brown, la teinte numéro 20 qui réchauffe le teint et en même temps qui rehausse un peu. C'est un genre de marron avec de légers tons rosés. Il est vraiment très beau. Ensuite en palette de fard à paupières, j'en ai 3 à vous présenter ce mois-ci que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Ce sont 3 palettes en plus qui ne coûtent pas cher, donc vous allez être contente. Ce mois-ci j'ai utilisé des choses pas trop chères, des palettes super belles en plus, parce que pour moi le prix n'a rien à voir avec la qualité du produit, on est d'accord. Donc j'ai utilisé cette palette de chez Zoeva qui est la Naturally Yours, qui a de très très belles teintes, les fards sont d'excellente qualité, enfin bref j'ai rien à dire. Bon, le seul point négatif dans ces palettes là c'est qu'il n'y a pas de miroir, mais ça je vous l'ai déjà dit, mais si vous recherchez de très bonnes palettes avec un excellent rapport qualité-prix,
Les Zoeva sont très bien, je vous mettrai tous les liens des produits de toute façon en barre d'infos si vous ne savez pas où les trouver. Checkez en barre d'infos, vous cliquez sur le petit bouton plus pour dérouler la barre et tout s'ouvre. Et vous avez tous les liens des produits. Il y a aussi celle de chez Marionneau, donc c'est la Nude by Marionneau qui est une nouveauté, qui est vraiment très très bien. Pareil, je l'ai utilisée 4-5 fois et elle est vraiment bien. Les fards sont pigmentés, elle est vraiment très très bien, elle coûte pas très cher. Donc franchement, si vous recherchez une petite palette de... Il n'y a pas que des nudes, hein, il y a des petits rosés. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal, cette palette de chez Marionneau. Il y a un petit miroir. Franchement, n'hésitez pas à aller checker. Il y en a 2-3 autres, je crois. Il y a 2-3 autres teintes. Et du coup, il y a également la All Night Long 429 de chez Sleek, qui se présente comme ceci. Pareil, les teintes, elles sont super belles. Elles sont dans les tons bruns, nude, rosé. Le genre de teint que j'adore. Il y a des marrons, il y a des dorés. Elle est vraiment très très belle. Et pareil, les fards Sleek sont hyper pigmentés et je crois que la palette elle coûte 10 balles quoi. Donc vraiment n'hésitez pas à aller checker du côté de chez Sleek, les palettes sont vraiment très très bien. On passe au fond de teint, j'en ai utilisé, j'en ai adoré, j'en ai testé plusieurs mais il y en a 4 qui sont vraiment sortis du lot. Oui 4, oui je sais c'est beaucoup mais j'en ai 36 000 à tester alors j'en ai testé plein ces 2 derniers mois. Notamment le fond de teint de chez Estée Lauder qui est le Double Wear Stay In Place Makeup. Teint longue tenue intransférable que j'ai en teinte Ratan 2W2. Il est génial. Il ne bouge pas du matin au soir. Vraiment. Il est vraiment très très bien. Il a un effet naturel sur la peau. Bon, on voit quand même qu'on a un fond de teint parce que ça reste un fond de teint qui est censé être intransférable et du coup mat quand même. Donc on le voit quand même sur la peau. Mais il reste très naturel en fait. Pour un fond de teint mat couvrant, il est quand même bien couvrant. Franchement, il est excellent. N'hésitez pas, pareil, à aller du côté des fonds de teint Estée Lauder parce qu'ils en font vraiment de très très bien. Je crois que je n'ai jamais été déçue par les seuls fonds de teint Estée Lauder que j'ai testé. Et le Double Wear Stay In Place Makeup, il est absolument génial. Il fait un teint de poupée, il floute les imperfections, il est vraiment bien. Je l'ai adoré. Ensuite, j'en ai 3 à vous présenter, pareil, de diverses marques et budgets. Qui sont en mousse en fait. Donc on a, donc pour celles et ceux qui connaissent pas ce genre de fond de teint, c'est un fond de teint sauf que sans version. Et ça pour le sac à main c'est vraiment génial. Le format il est vraiment bien. En fait, et même si vous prenez l'avion ou quoi que ce soit, du coup ça passe mieux parce que ce n'est pas dans une bouteille liquide, etc. Bref, en fait c'est un petit coussin qui se présente comme ceci. Et vous prenez votre fond de teint avec la petite houppette qui est fournie avec. Donc ça, ok, pour le sac à main, si on a des retouches à faire, c'est très très bien. Mais moi, j'aime pas utiliser la petite houppette en général. Du coup, je prends mon beauty blender, je le trempe dedans et je fais, ou soit je prends mon pinceau et je fais, enfin bref. Mais j'aime beaucoup le fond de teint, il est vraiment excellent. Franchement, si vous voulez tester un très très bon fond de teint de grande surface, n'hésitez pas à aller checker le Dream Cushion de chez... Maybelline, qui promet un teint frais et éclat naturel, et c'est exactement ça en fait. Il est hyper naturel, il est frais, il est lumineux, il est vraiment bien. Moi je l'ai en teinte, je sais plus, la couvrance elle est moyenne pour celles qui se le demandent, je sais pas, c'est la teinte cannelle 40, c'est pas foncé cannelle, enfin bref, voilà. Dior Skin Forever Perfect Cushion, fond de teint Cushion avec un SPF de 35 PA++++, et moi je l'ai en teinte 30. Donc voilà, je vous ai déjà parlé du fond de teint Dior Skin Forever que j'adore en format bouteille, j'en suis absolument dingue, ça a été, je crois que j'ai mis dans mes favoris du mois dernier, et bien sachez que celui-ci il est excellent également. Franchement, cette gamme là de chez Dior est excellente. Et de chez Yves Saint Laurent, vous avez un petit peu le même principe. Pareil, il est génial. Bon, bah c'est la version touche éclat, mais en coussin. Donc si vous aviez adoré la touche éclat, moi c'est un fond de teint que j'adore. Il est lumineux, naturel, couvrant pile ce qu'il faut. J'adore l'odeur des fonds de teint Yves Saint Laurent. Vous avez le touche éclat, bah le coussin en fait, tout simplement. Donc moi j'ai la teinte B50. Hop, et pareil, vous avez toujours une petite houppette. J'ai 2 mascaras à vous présenter que j'ai adoré. Le nouveau en fait, le Dior Show Pump and Volume, et du coup il est vraiment bien celui-ci. Je l'avais découvert, enfin c'est Jen, le make-up artiste l'avait appliqué sur Jen lors d'une soirée Dior, et je m'étais dit waouh, les cils de ouf qu'il lui fait. Mais Jen elle a quand même des longs cils, donc je me suis pas trop fiée à ça, parce que Jen tu lui mets n'importe quel mascara en général ça lui va. Du coup je l'ai testé en rentrant et je l'ai adoré, il est génial. Si vous recherchez un nouveau mascara à tester, n'hésitez pas à aller tester celui-ci, il est
trop bien, il attrape bien les cils, il rehausse, il courbe, il apporte du volume, il est vraiment excellent. Et pour des budgets un petit peu plus petits, vous avez celui de chez Maybelline, donc c'est le Big Shot, le Colossal, c'est la nouveauté de chez Maybelline. La brosse, elle est géniale, la texture du mascara, pareil, elle est trop bien, il remonte les cils, c'est un truc de ouf. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur. En termes de mascara en grande surface, celui-ci il est vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas pareil à aller checker si vous recherchez un nouveau mascara à tester. Celui de Maybelline est très très bien. Et bon, j'ai un highlighter à vous présenter ce mois-ci que j'ai découvert récemment. C'est le Laura Geller, je sais pas trop comment ça se dit, New York. Bon, je vous avouerai que le packaging n'est pas ouf. C'est un truc vraiment bas de gamme, assez cheap, très plastique. Mais l'highlighter il est vraiment très très bien. Il est super pigmenté, la couleur est magnifique. C'est le Gilded Honey. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de tester cette marque-là que je voyais sur les vidéos, dans les vidéos des Américaines. Et du coup, je suis trop contente. Je peux enfin le tester. On peut enfin les trouver en France. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vraiment, il est super bien. Si vous recherchez un nouvel highlighter, n'hésitez pas à aller tester cette marque-là. Comme je disais, le packaging n'est pas fou. Je sais, quand on est collectionneuse, on aime bien les belles choses. Mais franchement, le produit est vraiment très très bien. En termes de rouge à lèvres, j'en ai pas énormément à vous présenter ce mois-ci, tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup maquillé mes lèvres, ou du moins je remettais toujours ceux que j'avais dans mon sac à main tellement j'ai couru partout, j'avais pas le temps de changer ma trousse et tout et tout. Mais vraiment il y en a quand même quelques-uns que j'ai adoré porter ce mois-ci, notamment le Paint Liquid Lipstick de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai porté durant la Video City, et vous étiez nombreux à me demander le nom du rouge à lèvres. Donc c'est le Paint. Et c'est un bleu en fait, tout simplement. Et à chaque fois que je croisais quelqu'un, il me disait « Waouh, t'as mis du bleu sur ta bouche, c'est trop beau, c'est original !» Alors, les gens qui me disent « C'est intéressant », je sais pas trop comment le prendre à vrai dire. Donc je vous dis merci en général. Mais intéressant, je crois que c'est devenu le nouveau « C'est original » pour ne pas dire « J'aime pas trop, je sais pas trop quoi en penser ». Mais il est vraiment trop trop beau, moi j'ai adoré le porter. Vous savez que ça m'éclate de porter des couleurs, enfin moi pour moi il n'y a pas de limite. On s'éclate, on met ce qu'on veut sur ses lèvres. Il y a aussi le lingerie en teinte soubrette qui est comme ceci, que j'ai adoré porter ce mois-ci. Hop, je vais vous le mettre juste là, c'est un genre de violine, rose, violine, super jolie. Et il y en a un autre aussi de chez NYX, donc je crois que... Alors celle-ci, je crois que c'est une teinte qui existait déjà, je suis pas sûre, je sais plus. Mais celle-ci, c'est une nouvelle teinte, c'est le Scandale, qui est un gris avec quelques tons, quelques légers tons beige, j'ai l'impression. Je vais vous le mettre juste là. Il est super beau, enfin moi personnellement, j'adore, il est là. Il est canon. Je sais pas si vous êtes allé voir les nouvelles teintes d'Enyx, mais franchement, elles sont vraiment pas mal. Voilà pour les rouges à lèvres mat. Après, pour le reste, ce sont des rouges à lèvres que j'adore utiliser. Je reviens un petit peu vers les crèmes, vers les rouges à lèvres lumineux. En ce moment, j'adore ça. Et notamment, la petite nouveauté de chez Estée Lauder en teinte Rumor. Donc, c'est le rouge à lèvres, c'est trop marrant comment c'est fait. Ça, c'est génial. S'il vous plaît, toutes les marques, faites ça. Je comprends pas trop la forme du raisin, à vrai dire. Je sais pas si vous, vous avez une bouche carrée chez vous, vous me direz ça en commentaire, mais j'ai pas compris pourquoi cette forme de raisin. C'est pas hyper pratique à appliquer, mais j'ai adoré la couleur, j'adore les rouges orangés, les orangés quand le soleil revient, j'adore ça. Je trouve que ça me va bien au teint. Oui, j'ai le droit de me lancer des fleurs, un petit peu, j'ai le droit. Il est comme ceci, il est hyper pigmenté, mais il est pas mat en fait, il est vraiment crémeux, il est agréable sur la bouche, j'aime vraiment beaucoup la teinte. Et dans un aspect un peu plus brillant encore, ce sont des lacs à lèvres, mais version raisin de chez Dior. J'ai adoré utiliser celui-ci dans mon sac à main, c'est un nude, hein. C'est vraiment le nude par excellence, c'est le 344, le Rolling. Je vais vous le mettre juste là, il est un petit peu pêche. Du coup c'est super joli avec les beaux jours qui arrivent. Et il y en a un autre pareil qui est nude mais un petit peu plus rosé. Alors celui-ci c'est le 420, le Underground. Il est violet, rose violine, enfin vous allez le voir. Mais sur les lèvres il est vraiment beau et il reste très naturel. Si vous voulez un rouge à lèvres pour aller au boulot, à mettre dans le sac à main, vraiment je vous conseille le 420, il est vraiment très beau. Et du coup ça a une texture, c'est assez brillant, c'est hyper agréable, ça tient vraiment bien sur les lèvres. Bon ça tient pas aussi bien qu'un rouge à lèvres mat, on est d'accord. Mais voilà, ça sèche pas les lèvres, vraiment très très bien.
Franchement, côté vernis, j'en ai pas énormément utilisé ce mois-ci parce que j'ai eu la flemme de changer. Enfin bref, je vous l'ai dit, en ce moment, j'ai pas le temps, donc c'est n'importe quoi mes ongles. Mais j'ai beaucoup aimé le Metal Montaigne, le 803 de chez Dior, qui est un gris assez... C'est celui que j'ai sur les ongles, d'ailleurs, je suis bête. C'est celui que j'ai sur les ongles qui commence à partir en cacahuète, donc ne regardez pas. Mais il est vraiment très très beau, pareil, facile à appliquer. Bah, de toute façon, les vernis Dior, ils font partie de mes préférés, pour ne pas dire mes préférés. Il y a celui de chez OPI qui est le Getting Nadie on My Honeymoon, qui est un petit rosé légèrement violet, il y a comme une petite touche de violet dedans. Il est super beau, il est pastel sur les ongles, c'est super joli, ça donne envie d'être... Bah, on est au printemps, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, ça y est, le soleil revient, donc ça va. Et celui que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé et que j'ai sur les pieds depuis 2 mois, je crois, c'est celui de chez H&M. Alors le seul problème, c'est que je n'ai pas le nom de la teinte. Voilà, donc vous allez aller chez H&M et chercher la teinte. C'est un nude légèrement beige qui me rappelle beaucoup le My Vampire is Buff de chez OPI. Et je trouve que c'est le dupe parfait d'un OPI que je n'arrive pas à retrouver. Je voulais vous le montrer dans la vidéo. Pareil dans les tons nude. C'est vraiment le dupe, c'est le même, c'est quasiment le même. Franchement, les pinceaux H&M, ils sont vraiment bien, ils sont larges, l'application est facile. Bon, au bout d'un moment, ils deviennent un peu pâteux, ils meurent assez vite, je trouve. Mais vraiment, ils tiennent bien, ils sont vraiment bien. Côté soins, j'en ai aussi beaucoup à vous présenter, je vous avais prévenu, hein, c'est des favoris de 2 mois. Donc c'est normal qu'il y a beaucoup beaucoup de choses. Donc je voulais vous présenter déjà 2 gels douches de grande surface qui sont trop trop bien. Donc le premier, c'est l'Arbre Vert Bien-être Crème Douche Relaxante aux extraits de Vanille Bio de Madagascar. pH neutre, sans parabènes, sans isoziazid, sans phénonoctitalone, sans phtalates, enfin bref, sans tout quoi. Il est hypoallergénique et c'est fabriqué en France. Ça sent vraiment trop bon. Ça sent vraiment trop bon la vanille. Si vous aimez bien l'odeur de la vanille, c'est un gel douche que vous allez apprécier. L'odeur est douce. On voit qu'il n'y a pas d'odeur chimique de vanille. C'est vraiment très très doux. En plus, vous le retrouvez en grande surface. Vous avez aussi la petite nouveauté de chez Dove. C'est trop bien. Je vous ai dit que j'adorais les gels douche-douche, les gels douche-mousse de chez Rituals parce que vous lavez avec, mais également parce que vous pouvez vous raser avec et tout. Et c'est absolument trop trop bien. D'ailleurs, j'ai commencé un petit peu le laser pour l'épilation définitive. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais bref, et du coup, c'est trop bien parce qu'il est en mousse en fait. C'est hyper agréable sous la douche. Il sent trop trop bon. Il est moins épais que le gel douche mousse Ritual, c'est moins épais, mais il est vraiment bien, il sent trop bon et on sent que ça laisse la peau hydratée entre guillemets, ça laisse pas la peau sèche et je sais pas, je trouve le format vraiment bien dans la bouche, dans la douche et ça change. Moi j'aime beaucoup les gels douche mousse, donc n'hésitez pas à tester si vous avez envie de tester, mais ça sent Dove quoi. Et moi j'adore l'odeur du Dove. Toujours toujours douche, j'ai un autre produit à vous présenter dans cette catégorie-là. C'est la crème exfoliante Grain d'Argan de chez l'Essence de Marrakech que j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai aussi reçu l'huile de douche que j'adore. J'adore vraiment leurs huiles de douche. Elles sont super bien. J'aime beaucoup les appliquer en finition en fait avant de me rincer une dernière fois. Et ça me laisse vraiment la peau douce, la peau hydratée. Ça laisse un petit film gras entre guillemets, enfin hydraté. Et j'aime vraiment beaucoup et j'ai adoré ce gommage. En fait, c'est pas le gommage de dingue qui va vous gommer à fond la peau, mais légèrement, en douceur. Et c'est une crème, du coup, c'est hyper agréable et ça vous laisse un petit fini. Comme je le disais, vous avez une sensation de peau hydratée avec. Et j'ai adoré l'odeur, ça sent trop bon. Ça sent vraiment bon, donc j'ai pas mal utilisé. J'ai vraiment beaucoup aimé, gros coup de cœur. 96,72% d'ingrédients d'origine naturelle et les produits sont fabriqués au Maroc et forcément, enfin tu sais, imagine le truc, il est fabriqué en Hongrie aux pétales d'amandier. Ça sent trop bon, c'est hyper agréable sous la douche. Je suis toujours en produit pour le corps dans le même esprit. Oui, vous l'aurez remarqué, je suis souvent feignante en sortant de la douche, donc quand j'ai le temps, quand je suis pas dans le speed etc, je m'hydrate la peau. Mais vraiment quand j'ai pas le temps, ce genre de produit c'est excellent parce que ça vous laisse la peau légèrement hydratée. C'est pas l'hydratation de dingue, mais quand même vous avez quelque chose et c'est mieux que rien. Et puis même c'est agréable quoi. Et dans cette catégorie vous avez aussi le rose argan. C'est un soin hydratant au beurre de cacao, de karité et de coupouacou, je sais pas comment on le dit, huile d'argan
de noix de Brésil et d'amandes pour nourrir votre peau sous la douche de chez Lush. Donc c'est un pot qui se présente comme ceci. Je sais pas trop combien de grammes il y a. Mais voilà, en fait, c'est tout simple. Ça s'applique vraiment comme les huiles de douche à la fin dès que vous êtes lavé, etc., etc. Vous l'appliquez sur tout votre corps, avec votre main, partout, partout. Et vous rincez et ça vous laisse vraiment la peau hydratée. Celui-ci, il est vraiment bien. On sent vraiment que ça hydrate la peau. Ça laisse un film qui n'est pas gras. Pas comme l'huile, l'huile c'est un petit peu plus gras. Là ça laisse vraiment la peau, elle est douce quoi. Tu t'as comme une impression que tu viens de mettre une crème. Et franchement j'ai adoré, ma soeur aussi elle a adoré. Bon bah le pot, vous voyez bien que je l'ai quand même bien descendu. Il faudrait que je reprenne un autre parce que j'ai vraiment adoré ce produit là. Il est excellent, surtout si vous n'avez pas le temps d'appliquer une crème juste après. Franchement c'est de la bebon. Ensuite, un autre produit hydratant cette fois-ci, c'est un lait huile. C'est une petite nouveauté de chez Nivea que j'ai acheté pendant les soldes chez Carrefour. C'est la fille qui rajoute la parenthèse. Et du coup, en fait, c'est un lait huile, comme son nom l'indique. C'est une texture lait, mais légèrement un peu plus fine en fait. C'est un mix entre le lait et l'huile, voilà, c'est assez bizarre, mais c'est hyper hydratant, ça pénètre instantanément, vous passez, là ça y est, ça a déjà pénétré en fait, et ça sent tellement bon, ça sent tellement, tellement, tellement bon la vanille, pareil, ça n'a pas une odeur chimique, c'est génial quoi. Soin plaisir et absorption rapide. Ouais. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça n'aura pas trop duré une éternité, je pense que vous avez l'habitude depuis le temps. Là, vous devriez même plus vous plaindre. C'est bon, vous avez l'habitude. Vous savez que mes vidéos favorites durent une heure. Donc voilà, j'espère que vous aurez découvert plein de nouveautés. Si vous aussi, vous avez des nouveautés, des coups de cœur à me faire découvrir, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je sais, je n'ai pas mis de flop dans cette vidéo. Et depuis pas mal de temps, je ne vous ai pas montré de flop. Tout simplement parce qu'en fait, ma vidéo, elle dure tellement de temps à chaque fois que je me dis, bon bref, je le ferai la prochaine fois. Mais ce serait pas mal que je le note à chaque fois que j'ai un flop pour vraiment vous les présenter dans mes vidéos. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Vous abonner si c'est pas encore fait, c'est simple, c'est gratuit. Vous cliquez en loin, il y a ma tête dans un rond qui apparaît quelque part. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Mouah.